Alors, bonjour YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec le Projeto 46. Projeto machine. Machine, j'ai pas de mots pour le dire. Côté armure, il y en a tout simplement pas. Donc, on est parti, on va rouler l'intro, s'il vous plaît. Ok, projeto. On va commencer tout de suite la première game. Oui, le gameplay qu'on va faire, on va aller en ligne 6-7. On va laisser le temps à game de s'installer. On va laisser le temps au positionnement de se faire, puis on va prendre le côté des maps, de la map qui est le plus fort. Parce que là. Ok, décidément, c'est mal parti. Fucking Link qui vient de tout gâcher la map. Là, ouais, le bord le plus fort. Il n'y en a plus de bord le plus fort. Il est fait massacrer. Bon. Il n'y a pas de shot à prendre. Mais ça, c'est pas une grosse surprise. Comme vous avez pu voir, le projeto, c'est un tank qui a vraiment pas d'armure. C'est le pire scénario qui pouvait arriver. Tier 10, 3 artis. C'est vraiment le pire scénario. Un light qui light rien. On a vraiment tout le bon focus pour que tout soit parfaitement aligné. Ben, désolé, t'as beau être un grill, mais s'il est en arrière d'une maison, on n'a pas de tir. Donc, tu sais, c'est carrément ce qui arrive, on se fait manger sur tous les fronts. Notre 50-100, il pourra pas te faire ça. Non, est-ce qu'on a des shots sur ce grill-là? Pas du tout. Donc, c'est useless que tu fais. Mais bon, si ça te plaît. Bien joué. Ce team-là jouait vraiment mieux que le nôtre. Désolé, mais c'est ça la réalité. Il l'a jamais vu venir. Ok. Prochaine bataille. Ok, on est de retour. C'est pas la faute du projeto vraiment, là. J'enregistre les games. Il est quoi? Il est 11 h à matin. Donc, tu pognes ce que tu pognes, tu sais. C'est vraiment les restants de joueurs. T'sais. C'est pas les meilleurs, pis c'est pas les pires, mais tu pognes vraiment ce qu'il y a sur le serveur, t'sais.
Comme on voit, le serveur américain est pas très populaire, là. Il y a à peine 8000 personnes dessus. On va tout de suite à la prochaine bataille. Ok, le top de hill. Tout simplement, pas plus compliqué, pas moins compliqué. Il est pressé d'y aller, on va le laisser aller. Vous voyez, le matchmaking nous aide pas du tout aujourd'hui, pas du tout, du tout, du tout. À part le tier 8, on a déjà vu un petit peu plus d'aide de la part du matchmaking, honnêtement. C'est la poisse totale. Mais c'est le tier 8 en 2021 chez World of Tanks. C'est brisé, c'est totalement brisé, c'est... Sans mots pour la description de tout ça, c'est... Matchmaking est totalement broke. Ok, on n'est pas agressif. Oh, non, 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 non. Ça, c'est quotidien depuis 3 jours. Les guns trollent à côté. Il n'y avait aucune raison que ça allait pas sur le tank. Là. 2 fois à terre, puis une fois... La peine a été faite une fois, au moins. Tandis que notre bourras s'occupe à se faire sortir de la map. Ah! Oui, monsieur est quand même convaincant, j'accorde. Notre Lorraine va se faire sortir, mais c'est rien de nouveau. De toute façon, on voit que le IS-3-2 est rendu complètement seul. Écoutez. Je crois qu'on est rendu au stade pour donner un push. Ah, je me refais péter encore! Man, toute la team le campe. Ça sert à rien. Ça sert à fucking à rien de toucher. C'est. Ça voit l'échec au départ, mais. Dans le sens d'une défaite, il faut faire quelque chose, tu sais. C'est. En tout cas. Ça aurait été le fun que ça suive, mais ça suit pas suivre. Ok, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. C'est 3 games qui sont pas ouf. Mais enregistré à 11h le matin, il faut se douter que ça sera pas ouf. On s'en va demain pour un autre.